Alors, nous voilà posés à la Bernerie en Ray. Mais en attendant, on va se faire une petite balade dans ce petit village de caractère. On arrive au Grand Chemin, commune du Pèlerin. Et donc on va arriver au canal de la Martinière, c'est ça Charles? Ça vous parle le film avec Richard Boringer, Anémone et tout ça, le Grand Chemin? Et ben on y est, voilà. Mais le film se passe à Rouens, et Rouens c'est un bled qui est derrière nous. Et nous on va au Pèlerin, canal de la Martinière. Parce que la Bernerie finalement ça nous prenait la tête, mais quand une caratouche touche, bon bof quoi. Donc, allez, c'est parti. On vous emmène dans un endroit magnifique. Ah voilà, on est sur le canal de la Martinière. Alors moi, je connaissais pas. C'est juste à côté de Nantes, en fait. Hein. On est presque rentré. Voilà. Et là, on risque d'être un peu plus peinard qu'à la Bernerie, où il y avait vraiment beaucoup de monde et tout ça touche-touche. Voilà, on pourra pas se baigner, mais on va aller se balader. Et puis, on va se reposer avant de... Alors, soit on va là, soit on va rentrer plus loin. Voilà, on arrive sur la Loire. Et là, il y a une œuvre d'art. Il y a un petit problème sur ce bateau. C'est une œuvre d'art du voyage à Nantes. Ouais. Et je tourne le canal ici. Ça a l'air d'être un super spot camping-car. Ouais, puis tu vois, si t'es malin, hop, tu peux même aller squatter vraiment sur les bords de Loire. Sûrement qu'il y en a qui viennent pêcher la civelle par ici. Magnifique. Ah, ils en ont hein, des idées folles à Nantes. Ah, je sais plus qui a construit ça. Et je crois qu'il a vraiment été construit comme ça. Il n'a pas été chauffé. Ils n'ont pas chauffé le plastique. Non, non, il a été vraiment moulé comme ça. Ils ont récupéré des... Je sais pas. Ah, c'est rigolo. Donc c'est cool, nous on est spoté là et juste en face. Donc, restaurant, grill, la Martinière. Allez, on va voir s'il y a des glaces. Sûr, il y en a sûrement. Oui, il y a des glaces. Allez, go. Alors, vous connaissiez pas hein, ce spot camping-car. C'était un spot à l'arrache. Il faut avoir un convertisseur, hein, 12-220, avoir un peu d'autonomie. Nous, on a, ça va, on a fait le plein de flotte. Mais je veux dire, pour rester un ou deux jours, ou même passer le week-end, c'est vraiment... On va le mettre où le chat? Parce qu'on on vous a pas dit, mais au mois de juin, on récupère un chat. Donc Chaussette, hein, c'est ça qu'on va... Il s'appelle Chaussette. On l'a appelé Chaussette. Et ben on va le mettre où? Je sais pas. La litière. Je sais pas s'il y a des gens qui ont un chat en camping-car. On veut bien des commentaires qui nous... Expliquez-nous comment vous faites avec votre chat. Est-ce que vous le prenez? Est-ce que ça se passe bien? Voilà, comment ça se passe? Il y a Annabelle la coccinelle qui a son chat avec elle, ouais. Nani. Bon, on va voir. Ça se passe bien, hein? Ouais, on va essayer tout petit comme ça, il va s'habituer. Bah ouais, faut qu'il s'habitue tout petit. Ça fait bizarre hein, de parler derrière la caméra. Attendez, je coupe et puis je me filme en même temps. Donc où est-ce qu'on va le mettre? Ça, c'est encore la question. Laisse ou pas laisse quand il sera bébé? On verra. Ah ouais, faudrait... J'ai peur qu'il parte et puis qu'on le retrouve pas, quoi. Non, mais il va pas partir. Eh bah, il est sympa ce spot, il y a un peu de vent, quoi. Voilà. Bah, content d'avoir retrouvé le camping. Ah, c'est rigolo ce spot, c'est vrai, on a l'impression d'être dans un camping, il y a des camping-cars partout et il n'y a aucune interdiction, il y a plein de monde. Mais enfin, on n'est pas non plus les uns sur les autres, il y a la place sous les arbres, chacun se gare un peu comme il veut. Ah, c'est génial hein. Donc ouais, c'est sympa, de l'autre côté il y a des jeux, bon effectivement j'étais un peu flippée d'y aller, on est encore dans le Covid, donc doucement. Je voulais pas trop que les filles se collent à d'autres enfants, mais bon, on a eu une glace. Et puis ils sont cool les restaurateurs là, il y a du gel hydroalcoolique et ouais, tout. Ouais, ça doit être un peu une
obligation, je pense. Bah ouais, ouais, je crois que c'est un peu dans la loi, dans le protocole, ils appellent ça, je crois. Donc non, sympa, bon spot. Allez, à la prochaine vidéo, je sais pas quand. Des bises, ciao. Enfin, on n'oublie pas quoi. Et on s'abonne.